Etixia est la structure immobilière du groupe Kiabi. Nous sommes nés en 2014 de la volonté de gérer, de valoriser un patrimoine qui avait été constitué depuis quelques décennies par notre enseigne. Aujourd'hui, Etixia gère en France, en Espagne et en Italie une centaine de sites. Ça représente environ 300 000 mètres carrés. Aujourd'hui, Etixia travaille sur sa vision à 10 ans, une vision qui nous amène à réfléchir à de nouvelles stratégies de développement. Un développement qui sera dans les années qui viennent clairement orienté sur le réenchantement et la restructuration des zones commerciales existantes, orienté également sur les sujets plus urbains, puisque nous souhaitons devenir un partenaire privilégié à la fois d'acteurs privés de la promotion immobilière, mais également des acteurs publics, élus locaux notamment, pour toutes les réflexions autour de la restructuration des villes et des quartiers existants. Alors, toutes ces réflexions autour du réenchantement de zones existantes ne sont pas des réflexions d'opportunité ou d'opportunisme. Nous avons ces convictions en nous depuis, et nous les portons depuis quelques années, ce qui nous permet aujourd'hui d'ailleurs d'avoir dans nos cartons quelques très très beaux projets, à la fois en réenchantement de zones commerciales pures, comme dans la zone de Maurepas, Paris-Ouest, ou sur le secteur de Metz, avec une zone commerciale à Ouny-les-Metz. Et nous réfléchissons aujourd'hui très clairement également sur des sujets de restructuration urbaine en mixité fonctionnelle, puisque les projets sur lesquels nous travaillons aujourd'hui associent, outre le commerce, des activités professionnelles comme le bureau ou l'hôtellerie, mais également des programmes résidentiels pour lesquels nous travaillons en partenariat aujourd'hui avec des acteurs privés de la promotion immobilière. Cette valeur de partenariat, cette notion de partenariat est quelque chose que nous souhaitons aujourd'hui développer. Nous sommes donc ouverts évidemment à la discussion et à la découverte de tous les acteurs qui seraient intéressés. Il est très important pour nous aujourd'hui de nous ouvrir à tous les écosystèmes privés et publics, parce que nous sommes convaincus que nous ne pouvons plus agir seuls et que les défis qui sont devant nous pour accompagner le développement du commerce nécessitent de mettre toutes les parties prenantes autour de la table.